Faut-il investir, oui ou non, dans une loi Pinel? Bonjour à vous les investisseurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les lundis dans une nouvelle vidéo liée à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, je vais vous répondre à cette question. Faut-il investir dans une loi Pinel? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charles Lenoble, je suis consultant d'investissement immobilier pour les particuliers. Mais avant toute chose, je suis investisseur, j'investis sur plusieurs modes et types d'exploitation tels que la location longue durée, courte durée, colocation, location forestière et commerciale. J'investis sur la métropole lilloise. J'ai aussi investi donc à l'étranger au Maroc. Donc je vais profiter de mon expertise personnelle et professionnelle pour vous apporter des réponses précises. Mais la loi Pinel, c'est quoi? La loi Pinel, c'est la possibilité d'investir dans un logement VEFA, vente en l'état futur d'achèvement, un logement neuf si vous préférez, et de bénéficier de réductions d'impôts. Des réductions d'impôts qui peuvent aller jusqu'à 63 000 euros et 21% de vos revenus issus du salariat. Très intéressant, la loi Pinel a cet avantage-là de vous faire gommer des impôts. Vous aurez l'obligation par contre de vous engager sur une location de 6, 9 ou 12 ans qui va vous permettre plus ou moins donc de gagner des impôts, une réduction d'impôts. Vous avez, attention, des loyers qui sont plafonnés, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas louer à des ascendants, descendants. Et en supplément, lorsque vous investissez dans des lois Pinel, vous avez la possibilité de passer par des sociétés qui vont donc gérer tout votre investissement et donc d'avoir des loyers sécurisés, même si votre bien n'est pas loué. Alors pourquoi mettre en place cette loi Pinel? L'État a bien conscience qu'il y a un gros problème de logement en France, il manque plus de 800 000 logements en France. Donc afin de mettre en place donc de nouveaux logements sur le territoire français, le français a la possibilité d'investir dans ses VEFA, donc d'aider les promoteurs à créer de nouveaux logements. Et donc pour inciter nos citoyens à investir dans l'immobilier neuf, vous avez la possibilité donc d'avoir ces réductions d'impôts. Mais est-ce intéressant? Venons sur le premier point. Nous partons sur un logement neuf. Le logement neuf va avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. Vous allez avoir certes des logements qui seront très bien isolés, qui seront faits avec de nouveaux matériaux, etc., etc. Mais il faut bien prendre en compte qu'acheter un logement neuf revient toujours plus cher que d'acheter un logement qui est ancien. En plus de ceci, vous utilisez souvent donc des matériaux qui sont beaucoup moins nobles que les matériaux qui étaient utilisés avant. Donc ceci est à prendre en compte. Mais outre le côté logement neuf, est-ce tout de même intéressant? Avant de continuer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça me permettra de remonter dans la barre de recherche et puis de vous faire de nouvelles vidéos tous les lundis liées à l'investissement immobilier. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner si vous êtes intéressé à l'investissement immobilier, une nouvelle vidéo tous les lundis à ce sujet. Et puis dans ma description, donc une formation complètement gratuite sur l'investissement immobilier, donc 1h30 où qu'on va passer ensemble à parler investissement immobilier. Comment investir dans l'immobilier, tous les secrets. Voilà, donc pour reprendre, est-ce intéressant d'investir dans une loi Pinel? Alors oui, c'est très intéressant, sauf que, alors suivez bien cette vidéo, parce que là, je vais vous apprendre beaucoup de choses, sauf que le problème, c'est que les promoteurs se gavent. C'est-à-dire, lorsque vous investissez donc dans une loi Pinel, vous avez l'impression que vous allez gagner en impôts, donc vous allez faire un bon investissement. Mais pour ceux qui ont connaissance de l'immobilier, on voit très bien que vous achetez des biens qui sont largement au-dessus du prix du marché. Et ça, c'est un gros problème. Lorsque vous achetez, par exemple, un T2 Pinel d'investissement, vous allez l'acheter 200 000 euros, alors que peut-être votre bien que vous allez acheter, un bien ancien que vous allez pouvoir acheter dans cette même ville, au même endroit, vaudra peut-être 100 000 euros. Vous gagnerez peut-être 60 000 euros d'impôts grâce à votre loi Pinel, mais vous aurez acheté 100 000 euros trop cher. Vous avez donc perdu 40 000 euros sur l'opération. Et ça, c'est le problème. Le Pinel est très intéressant, sauf que beaucoup de promoteurs se gavent et mettent des prix beaucoup plus haut que le prix du marché. Et donc, de ce fait-là, votre Pinel devient inintéressant. Alors, attention, je ne dis pas que tous les promoteurs se gavent. Il y a quand même quelques petites bonnes affaires à droite, à gauche. Mais il faut vraiment se renseigner sur le prix du marché, etc., etc., faire tous les calculs. Moi, j'ai déjà été voir une fois donc un cabinet pour une loi Pinel et c'était vraiment pas intéressant du tout. Alors comme je vous dis, il y a quand même des bonnes affaires qui peuvent être possibles. Il y a des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent, par exemple qui ont fait des Pinel à Bordeaux et puis ben, quand Bordeaux, les prix de l'immobilier ont
explosé, ces personnes-là ont fait des bonnes affaires. Mais c'est vrai que les bonnes affaires en Pinel, elles sont quand même assez rares. Le mieux pour une loi Pinel est de faire construire vous-même et de le passer en Pinel. Comme cela, vous évitez les promoteurs et vous pouvez bénéficier de tous ces avantages fiscaux. C'est quelque chose qui est très, très intéressant à faire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en commentaire ce que vous en pensez de la loi Pinel. Est-ce que vous avez déjà fait une loi Pinel? Personnellement, ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se retrouve lundi prochain dans une nouvelle vidéo liée à l'investissement immobilier. On se retrouve bientôt. On se retrouve lundi prochain. Hein, vous vous êtes abonné. On se retrouve lundi prochain. Merci de m'avoir regardé et à bientôt.